Le gouverneur a fermé l'université. On nous demande de manifester. Mais cette marche des étudiants est dirigée par les opportunistes du Front Populaire. Ce sont eux qui ont mis en prison les leaders paysans de Naxalbari. Tout ça ne nous concerne pas. C'est de la politique bourgeoise et révisionniste. Nous, nous voulons faire la révolution avec les paysans, en dehors de la démocratie bourgeoise, par la lutte armée. Suivons l'exemple de la révolution chinoise et du peuple vietnamien. Les manifestants descendent vers le palais du gouverneur. Ils sont peu nombreux et divisés. Socialistes de diverses tendances, communistes de gauche et de droite, extrémistes pro-chinois fractionnés en petits groupes, les étudiants traversent la ville en ordre dispersé. 10 000 policiers et soldats les attendent. Au milieu de l'après-midi, la manifestation est traversée perpendiculairement par un cortège religieux. Des fidèles célèbrent l'anniversaire de la mort d'un certain Rabbi Das, fondateur d'une secte syncrétiste qui regroupe des hindous de basse caste, des intouchables, des sikhs et des musulmans. La manifestation reprendra aussitôt après. Come on,
guys. Not the bitter, right?